Quant au gouvernement zambien en Zambie, et j'ai gagné le procès en Zambie. Vous vous présentez au tribunal en Zambie? Présence de la République. Si Vital a déclaré qu'il est candidat à la présidence de la République, c'est parce que le président Kabila a amené la démocratie. Mais moi, j'ai un candidat qui a amené la démocratie, qui a amené les élections libres et démocratiques. Et c'est lui qui a mis tous les belligérants ensemble. Il est allé au premier tour. Il a échoué parce qu'il avait 44%. Il n'est pas dictateur, sinon il pouvait dire j'ai gagné les élections. Je vais rester président. Il est allé au deuxième tour et il est allé aussi après en justice pour être président, candidat président de la République. Moi, je ne serai pas candidat. J'ai un seul candidat qui est là, le chef de l'État. Vous savez, dans la vie, il ne faut jamais trahir. Dans la vie, il faut être fidèle. Parce que quand vous quittez le pouvoir, moi aujourd'hui, le président de la République peut me demander, il dit, Moïse, la population ne veut pas tout ça parce que c'est la démocratie. On ne veut pas de toi comme gouverneur. Mais à la minute même, je vais rentrer chez moi à la maison, mais je vais rester dans le parti. Je ne suis pas dans le parti pour être gouverneur, parce qu'aucun jour je pensais être politicien. Quand j'ai commencé à travailler, quand je suis devenu gouverneur, il ne fallait pas d'abord trahir la confiance du président de la République, qui m'a choisi de devenir son gouverneur. Le Katanga n'est pas n'importe quelle province. Parce que vous savez, trahir Joseph Kabila, ce n'est pas aller accuser les autres, non. On vous accuse beaucoup. Hein? Non, ça c'est rien. Vous savez, il n'y a que les fainéants qui accusent les autres. Bon. Ce qui est important, ce qui est...